Et bien le bonjour à tous et bien le bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes qui viennent s'abonner à la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Donc c'est ma femme a des petits problèmes de voix, donc c'est pour ça que vous ne l'entendez pas trop aujourd'hui. Donc la dernière vidéo, on s'est arrêté à la fabrique de notre mousse. Notre petite mousse, notre petite bibine, notre binouze. On avait fait quelques cartons. On va aller voir ça ensemble. On avait débloqué ensemble cet entrepôt. Voilà. On avait fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 cartons. Et on a autant de bouteilles vides. Bon, c'est plus important la bouteille pleine que la bouteille vide, vous allez me dire. Hein, mes cochons, hein. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer la quête principale. J'ai cru entendre le bruit d'un camion, je sais pas quoi. Non? Non? Bon. On va continuer la quête principale. Mais forêt, toi, surtout. Hein. Non, du tout. Et on va faire l'objectif. Rendez-vous à votre ordinateur. Ce qui est fait est débloquer les quais avec le marché global qui vient avec. Ah bon. Donc, ça va être ça, je pense. J'espère. Le quai import export des marchés et marché global, on va acheter. Hop. Et voilà, la grosse entreprise est débloquée. Pour une fois, il n'y a pas de sac poubelle, c'est étonnant. On a 4 quais. Construisez au moins 5 étagères de stockage sur les docks. Vous en aurez besoin de beaucoup. Ah bon, non, on aura besoin de beaucoup. Et flûte. Demi-tour. Le plus important, comme pas changé, c'est la caisse à outils. Que j'oublie tout le temps. Bon, je peux pas la prendre, cette étagère-là, non? Non? Ah non, il fallait construire. Bon, toi, si tu viens un moment où je construis, ça va chier. Bon. On a l'ordinateur là-haut. On a le clear arrière clean. Et, ah, vous savez, ça coûte pas cher. Et on a les étagères qui sont ici. Je vous invite grandement à pas aller coller contre le mur. Faire un petit espace, parce que les palettes sont assez grandes. Ah oui, il faut serrer. Le PR. Faut j'appuie plusieurs fois pour que ça serre. Génial, voilà. J'ai fait plusieurs fois avec la souris. Voilà. On va serrer tout le petit monde là. Donc, si je vous dis de pas coller les étagères contre le mur, c'est simple, c'est que les palettes vont être assez longues. Donc, il faut un peu de marge derrière. Et non pas marge Simpson, hein. Il faut un petit peu de marge. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez de la place pour que les palettes elles tiennent tranquilles. Il va falloir 5, merci. 5 fois resserrer les boulons, vous vont me rendre dingue. Ben non, qu'est-ce que tu me fais, dégage, rouge, schnell. Dépasser ou visser, il faudra savoir. Visser, voilà. Bon, on va faire celle-là ensemble. Il y en a 5 au total à faire, alors merci. Hein. Je vois pas regarder la vidéo d'un Gugus serrer les boulons. Pour des petites étagères. Surtout, c'est quand tu veux, surtout, hein. Voilà. Mais non, mais. Ah oh. Voilà, vissez. Eh, ils n'ont pas encore inventé la clé à cliquer là-dedans, non? Parce qu'il faut que j'appuie plusieurs fois sur la clé gauche de la souris pour serrer, c'est génial. Bon, alors. Ensuite, mais. Oh. Mais tu vas y aller, oui! Toi, tu m'énerves. Voilà. Et maintenant, on fait comment? Sur les étagères. Mais dites surtout pas qu'ils les ont mis à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est de ce délire? Bah, non, normalement, il y a les bardeaux comme ça, là. Cousseau. Ah, non. Bah. Bon, alors là, bonne question. Elle est pas mal celle-là.
Normalement, il y a les barres bleues qu'on a eu la première fois. Bon, c'est pas grave. Déplacer, non. Allez. C'est. Bon, ben. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas. Ben, tant pis. Voilà, on va essayer de faire ça le plus propre possible. Allez, on va serrer. Ah, ça va plus vite. Vous avez vu? Hop là. Emballé, c'est passé. Et la fois 5, je sais pas du tout comment. Où trouver les barrières. Super, pourquoi pas. Nous n'y avons pas du tout. Alors, ça, elle est pas mal. Voilà. La rotation de la caméra. Ah ouais, on fait comme ça. Ouais, bon. Clic droit de la souris, rotation de la caméra. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Pour les droitiers, bien évidemment. J'avais oublié celle-là. Par contre, pour le serrage, bonne chance. Hein. Voilà. Bon. Ça ne change pas grand-chose, hein, je vous le dis. Hein. On va regarder parce que ça m'intrigue l'histoire des étagères là. Pourquoi qu'on. Pourquoi qu'on peut pas le. Où c'est quelles sont les barrières bleues là? Ils vont avec. Alors moi ça devrait apparaître avec les. Mais. Ah, tu vas y aller, oui. Mais. Attends. Toi tu m'énerves. Voilà. 3 en 3 clics, c'est bon. On est placé, déplacé et déplacé. Bon, ça c'est les étagères, décoration. Je sais bien, je suis comment maintenant? Hein? Elle est pas mal celle-là. Alors, avec ça, je suis mort de rire. Oh, ça met nous, ça. Oh, la cuve. Pas mal, ça. Ça sert plus vite. Donc, avec ça, je n'y comprends rien. Je ne sais pas du tout où c'est sont les étagères. Je vais faire ça en off, bien évidemment. On va voir dehors. On va ensemble. Non. Construisez au moins 5 étagères de stockage. Bon, je vais faire les 5 et je trouve la solution et on se retrouve après. Allez, à tout. Après un moment extrêmement ennuyeux. Bon, nous revoilà les amis. Donc, après avoir fait les 5 étagères, comme vous avez vu en haut à droite de l'écran, voilà ce qu'on a. On n'a rien du tout. Je sais bon, pas du tout comment on peut faire. Déplacer. On peut rien faire du tout. Hein. Mettre dessus peut-être. Là, comme ça, F. Et. Ça marche pas. Bon. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. J'en sais rien. Je sais pas ce que sont les étagères. Ah, il y avait un contrôle de. Contrôle sanitaire. Il n'y a pas de machine à café là-dedans. Non, il y a une machine à boire non plus. Le distributeur de déco. Ils n'ont pas mis la machine à café. Eh ben, mon radin. Ben. Elle est où cette grue là? Piloter la grue, mais t'es marrant, toi, Rico. Ah, si. Elle est à gauche. Attention, on y va tranquillement. Elle est à droite. Oui. En avant. En arrière. Ça marche pas. Ça, on descend. Ça, on monte. Là, ça va plus vite. Ah oui, ça quand même. Avec la roulette de la souris. Pour gagner plus de temps, vous voyez. Non, non, non. Là, pour descendre. Et zip, zip. Ah, ça va plus vite quand même. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Bon, t'es content? Ensuite. Exportez un lot de vos bières brassées. Prenez la palette avec la grue et déposez-la. Poser la palette à l'intérieur d'un poids lourd d'exportation. Vous pouvez en appeler un sur votre ordinateur. Et mes étagères, c'est en option, non?
Bon, en s'en avant, je vais boire un café parce que, hein. Il va falloir appeler un camion. Génial, ça j'adore. Un camion pour un fond de palette. Ouais. Génial. Bon, donc là, on a rien. Super. On va se boire un petit café. Il y a peut-être une technique pour avoir les étagères, mais s'il y en a une, je la connais point. C'est comment alors? Brasserie, personnalisée, marché global. Je suis gestionnaire de quai. Commander un camion, voilà, ça nous coûte 100 dollars, merci beaucoup. Oh la vache. Personnalisation, de quoi? Je sais pas. Bon. Génial, bon, on va prendre le Fenwick, ce là. Allez, on fonce. Un petit coup de turbo. Ah, ça bombarde. Ouais, donc étagère, je sais pas, non, je sais rien. Comme vous, je me pose la question. Hop, pas grand-chose, hein. On va pas se faire énormément de fric avec ça, je vous le dis. Hein. On va lever assez haut. Il y a quand même une pente à monter. Forcément, c'est pas une pente à descendre. Voilà, donc, vous voyez, il y a les pieds, mais il n'y a toujours pas d'étagère. Ça fait triper. Ah, le poids lourd à porter, vous pouvez en appeler un sur votre ordinateur. Voilà, on va baisser ça. Voilà, on lâche. On lâche la palette, bien sûr. Voilà, on arrête le moteur, même si c'est un moteur qui ne gaspille pas d'essence, ce qu'ils disent. Ah ouais, génial, on voit pas la palette. Il n'y a pas une autre vue de caméra. Si, mais là, je vois rien du tout. Ouais. Génial. Pas dessus? Dessus là, non? Attaché, F. Non, pas dessus. Oh. Monte, monte, voilà. Mon délit. Mais non, mais. F, non, F, non, F, non. Voilà, on la dépasse là, foutez ma gueule là, bah oui. F, on n'est pas bon. F, alors, ah, on y est. Bip. Eh ben, je vous le dis, c'est pas facile. Hein? On est où là? Je peux pas avoir une autre vue, une meilleure vue que ça, non. Je sais même pas ce qu'on voit, on sait rien du tout. Bon, ben, vous savez quoi, bah, c'est comme ça. La vue. On repassera. Hein. Merci. Charger les camions à la grue, j'ai encore jamais vu ça. Voilà. Ouais. Et pour détacher, F. Well. Non, remonte. Et marche arrière. Petit peu chiant la grue. Et on fait échappe pour sortir. Exporter un lot de bière brassée, prenez la palette avec la grue et déposez-la. À l'intérieur d'un poids lourd, exporté, vous pouvez en appeler un sur l'ordinateur. Ben, ça y est. Portez à l'eau de votre bière brassée. De votre bière brassée, je lui ai eu. Ben, c'est fait. Portez, vous pouvez. Prenez la palette avec la grue et déposez la palette à l'intérieur d'un poids lourd, ce qui est fait aussi. Vous pouvez en appeler un sur l'ordinateur. Un lot. Exporter un lot de vos bières brassées. Un lot. Bah, il y a le code. Ça veut dire que. On va voir qui était avant la marchandise. On va voir. Ah, et voilà, et ben c'est fini. De nouveaux objectifs seront ajoutés prochainement. Et voilà, c'est fini. Ben, le jeu est fini, hein, tout simplement. Bon, pour les étagères, ne me demandez pas, je ne sais pas comment on les sort.
Il va y avoir un truc à faire, j'en sais rien là-dedans. Attends, il y a les étagères. Ouais, on va pouvoir les acheter à part les socles. Alors, socle là, que je comprends pas du tout. Est-ce qu'il y a un bug ou quoi? J'en sais rien. Bon, en tout cas, je n'ai point les barrières. Vous voyez, à part déplacer. C'est pour déplacer le pied de l'étagère. Voilà, on va le mettre bien. Non. Et il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Convoyeur, embouteillage, ordinateur, convoyeur Excel, décoration, étagère. Ça c'est. Moi, franchement, je comprends pas. Est-ce qu'il y a un bug dans le jeu ou quoi? J'en sais rien. En tout cas, on n'a rien du tout qui traîne. On aurait dû avoir au moins les deux barres de support plus les deux plaques. On n'a pas du tout. Vont pas du tout. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. On va aller voir sur l'ordinateur. Bon, j'ai la caisse à outils, ce sera le taver. Marchandise globale. Les bibines, d'accord. Amélioration. C'est pas là-dedans. Non. Magasin d'outillage, non. Contrat, non. Investisseur, non. Non, employé, non, brasserie, non, et on a que le marché global. Donc, les étagères, je ne sais pas, si vous avez une idée, je suis preneur. Ces trucs-là, je parle, bien évidemment. Deux barres bleues, plus les plaques. Moi, j'ai rien de tout ça de mon côté, malheureusement. Voilà, j'ai que les pattes de support, j'ai rien d'autre. Génial, pourquoi pas. Hein. On peut absolument rien faire. J'adore. Même si on prend la... Pourtant, il montre bien un support, vous voyez. Il montre bien, pourtant. On paye les 50 pour rien du tout, en fait. Pour rien, parce qu'il n'y a pas d'étagère, il n'y a rien du tout. Et on n'a rien qui nous arrive. Donc, à résumer pour ce jeu-là, le fin mot, c'est qu'il vaut mieux attendre qui s'améliore tout doucement, petit à petit. Et ça sera mieux, je pense. Hein, parce que là, à part prendre ces étagères-là pour les remonter, il y en a une, deux, trois. Il y a que trois étagères. C'est ça qu'il faudrait. Les deux barres comme ça de chaque côté, plus les plaques. Mais, ça paraît où? Je ne sais pas. Où est-ce que ça atterrit? Je n'en sais rien. Et si vous avez une idée, je suis preneur. Voilà. Mais voilà les amis. Sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Parce que on refera d'autres vidéos comme il y aura d'autres nouveaux objectifs, bien évidemment, sur ce jeu-là. Comme il y aura d'autres patchs correcteurs, bien sûr. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et... À bientôt. Ciao, bye bye.